Décédée il y a deux jours, Jane Birkin aura connu son lot de tragédies. En effet, avant de perdre sa fille, Kate Barry, l'artiste avait été confrontée à la mort de son neveu, survenue en 2001. Un drame épouvantable pour toute une famille. Décédée à l'âge de 76 ans, le dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkin a malheureusement connu son lot de tragédies. En effet, la chanteuse a souffert de la disparition de nombreux membres de sa famille. Si la mort de sa fille Kate Barry, décédée en 2013, l'a marquée à tout jamais, la disparition de son neveu Anno sera une véritable tragédie pour l'artiste. En effet, le 8 novembre 2001, le fils de son frère aîné Andrew meurt brutalement à l'âge de 20 ans dans un accident de la route à Milan. En 2017, pour Marie-Claire, la mère de Charlotte Gainsbourg et de Lou Doyon se confiait sur la façon dont sa famille avait fait son deuil. Notamment son frère qui parlait tout le temps de son fils disparu. Jane Birkin, la mort de son neveu la marquera à jamais. À l'époque, je trouvais ça étrange. Maintenant, je comprends, assurait-elle. Et pour cause, tout comme Andrew, la chanteuse a perdu un enfant. Sa fille, Kate Barry, fruit de sa relation avec John Barry, chute du quatrième étage de son immeuble parisien le 11 décembre 2013. Toujours pour Marie-Claire, l'artiste confiait ressentir toujours beaucoup de culpabilité à l'idée de ne pas avoir été présente pour sa fille le jour de sa mort. Avant, j'étais complètement bloquée, aujourd'hui, les choses sortent. Je me dis par exemple que j'ai eu la chance d'avoir Kate pendant 46 ans, précisait Jane Birkin. Pour Vogue, l'artiste indiquait qu'elle n'avait pas réussi à faire le deuil de la mort de sa fille et qu'elle en ressentait la douleur tous les jours. Kate est morte il y a 7 ans et il n'était plus question de faire quoi que ce soit, confiait-elle. Un an après la mort de sa fille, Jane Birkin avait réussi à mettre des mots sur sa douleur. Ma chance, c'était Kate, si est-ce avec Kate que je suis arrivée en France. Je ne me souviens même pas d'une époque où elle n'était pas là, si est-ce pour ça que si est-ce d'autant plus troublant de la dépasser maintenant qu'elle n'est plus là. Ainsi, Jane Birkin a eu une vie semée d'embûches. Jusqu'à la fin, la chanteuse a tenu à rendre hommage à ses proches disparus.